Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une exclusivité, une vidéo exclusivité avant la mise à jour de mardi. Je vais vous révéler quelque chose qui va pouvoir vous donner un net avantage sur les autres. En gros, on sait que l'item orange 3 slots va sortir. Donc comment ça va se passer? En gros, concrètement, il faut 3 items parfaits. 3 items orange parfaits, donc je vous montre un peu sur mon personnage. Voilà, concrètement, il faut soit un arc de Liverto, enfin pas forcément un arc, hein, pas forcément un arc, peu importe. Il faudra 3 Liverto ultime pour faire le fameux 3 sockets qui aura une moyenne de 5 FC de plus sur l'item et 3 sockets. Donc ça fera une moyenne de 10 à 15 FC par item en plus de l'enchantement. Mais pour ce faire, comme j'ai dit, il va falloir 3 items parfaits, donc soit du Liverto ultime x3, soit du Rosar x3, soit du Grunil x3, Grunil ultime x3. Donc ça va coûter très très cher. Personnellement, moi je prends parti de ne pas me lancer là-dedans. Et à savoir que ces items vont être bien sûr moins bien que vos items rouges. Pour ceux qui ont du rouge, ne vous inquiétez pas, vos rouges seront toujours largement meilleurs. Mais c'est un item intermédiaire pour le rouge. Donc voilà, ça va vous coûter extrêmement cher. Donc pour ce, je vais pas vous expliquer de nouveau dans cette vidéo comment on craft ces items, parce que j'ai fait une vidéo craft, tuto craft. Donc je vous rabattrai littéralement en fin de vidéo, je vous mettrai un lien direct vers ma vidéo craft d'items à la forge. Donc il faut aller dans son campement, hein. En gros il faut aller dans son campement, et grâce à la forge, avec 3 items, 8 items, un socket orange, on peut faire un 2 sockets de moyenne qualité. Et avec 3 items de slot de moyenne qualité, on peut faire un ultime. Donc ça vous, normalement vous le saviez déjà. Et pour ceux qui ne le savaient pas, et ben vous allez l'apprendre et vous allez aller voir sur ma vidéo, que je vous mets en fin de vidéo, l'explication du craft, le craft des items orange. Mais voilà, pour ce faire, en gros, là, il va falloir que vous arriviez, pour ceux qui souhaitent le faire, moi, comme j'ai dit, je ne prends pas parti, je ne vais pas le faire, je trouve que c'est trop cher pour ce que cela apporte. Il faudra donc, là, les hôtels des ventes sont peut-être encore valables, il y a des items qui se vendent pas cher. Bon, là, moi, je trouve qu'ils sont encore trop chers, mais ça, c'est à vous de le voir. Moi, je suis sur Balenos. Et donc, soit vous achetez plusieurs items de socket, soit vous achetez plusieurs items un socket, peu importe, comme vous le savez, de toute façon, il faut, je le répète, 9 items un socket, ou 3 items de socket, ou 6 items un socket et 1 item de socket, ou 3 items un socket et 2 items de socket. Bon, bref, ça, voilà, je vais pas vous apprendre à faire des maths. C'est à vous de voir, et vous pouvez prendre, je le répète, par contre, pour les armes, vous pouvez prendre les armes que vous voulez, de n'importe quoi, ce que vous voulez, pour aller crafter l'arme de votre choix. Donc ça, vous n'êtes pas restreint. Si vous voulez, si vous trouvez qu'il y a des meilleurs prix sur les bâtons, et bien vous achetez des bâtons et vous allez vous faire votre arc avec à la fin. Donc c'est pas du tout un problème. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez spéculer pour acheter, sachant que d'ici mardi, tout le monde va être au courant et la plupart des gens vont être hypés par le truc, vont se dire vite vite, faut que j'achète. L'hôtel des ventes va disparaître, il n'y aura plus rien en vente, les prix vont remonter. Donc après, il y a deux choix. C'est soit vous avez un stockage d'orange et du coup vous allez les vendre au prix fort. En ayant acheté les items pas chers, vous allez les revendre très cher quand les prix seront remontés. Ça, c'est, alors je vous encourage pas à faire ça, parce que s'il est faux, ça va pas marcher du tout et vous allez vous ruiner pour rien. Peut-être que les prix n'ont pas augmenté, peut-être que mardi ils vont proposer d'avoir des oranges encore plus facilement que d'habitude, et donc du coup ça va complètement flinguer ma théorie. Mais dans tous les cas, si vous voulez anticiper ça et avoir votre fameux item 3 slots parfait orange, vous n'avez pas 50 solutions, faut commencer à acheter les items tant qu'ils sont pas chers, dans toutes les catégories, que ce soit armes ou armure. Voilà, bon, nous, il y a des gens qui ont, on sait que l'info a fuité, donc tout le monde s'est jeté sur les items. Il y a déjà plein de gens qui ont commencé à spéculer là-dessus et qui ont vidé littéralement l'hôtel des ventes. Voilà, donc moi je vous sors la vidéo avant qu'il soit trop tard, parce qu'il est toujours pas trop tard. Et ben, j'espère que certains d'entre vous pourront en profiter et me remercieront d'avoir gagné quelques dizaines, centaines de millions grâce à cette petite info, voire peut-être plus que ça, peut-être des milliards d'économies en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, je vous embrasse très fort, la vidéo s'arrête là-dessus. Comme d'habitude, vous avez ici mon code de renommée qui vous suffit de rentrer dans renommée de l'aventurier ici. Ça vous permet de gagner 50 perles noires et tout un tas d'autres bonus qui vous permettent de progresser beaucoup plus facilement dans votre aventure. Du niveau 20, en gros, c'est à partir du niveau 20 que vous avez le premier cadeau, et ça tous les 10 niveaux. Ensuite, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à regarder mes autres vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée, ciao ciao.